de agua, tú le haces el agua, ¿eh? Ahí comienza. Te hacen hacer sexo, sin sexo. Hacen que eso sea sin sexo, sin sexo. ¿Se va? Maintenant, on découvre lui-même. On découvre pour voir si va joindre ou pas. La parole est l'acte. Mais l'acte à la parole. L'acte à la parole. Il va joindre l'acte à la parole. Et dans ta passion, en temps, sous la terre, il était châtié, non? Sous la terre, il était noyau. Il était châtié, il sache qu'il a reconnu verbalement qu'il a dit que Dieu, c'est quoi? C'est pourquoi il est il est cassé et puis il est devenu racine. C'est comme ça. C'est-à-dire quoi? La reconnaissance de Dieu unique là, c'est quoi? C'était une reconnaissance verbale. C'était juste une reconnaissance verbale. C'est juste la parole. C'est juste reconnu verbalement. C'est-à-dire que Dieu. Maintenant, on le remet, il revient encore de la vie ici-bas. Il était sous la terre, non? Il était sous la terre. Il était dans l'au-delà. Il était noyau, il était sous la terre. Maintenant, il est devenu racine. Il est revenu maintenant. Il est revenu, il était sous la terre. Maintenant, il est revenu maintenant sur la terre. Il est revenu maintenant sur la terre. C'est-à-dire, il est revenu dans le monde ici-bas, maintenant, de la vie ici-bas. Avant, il était dans l'au-delà. C'est comme ça. Maintenant, on va regarder maintenant s'il va joindre maintenant l'acte à la parole. C'est-à-dire, s'il va vraiment appliquer, vraiment faire une idée que Dieu là, qu'il avait promis de faire dans l'autre, quand le père était sous la terre. C'est comme ça. Et c'est ça tout ce qui se passe avec le mort. Hein. C'est des problèmes qu'on appelle le purgatoire. Pur comme pas purification, obligatoire. La purification obligatoire. Les morts sont châtiés, si vous saviez. Les morts sont châtiés, c'est toi de la tombe. Vous amusez. C'est comme ça, vous amusez. Sachez que le péché ne tue pas. Hein? Sachez que le croyant ne meurt pas. Le croyant ne meurt pas. Si vous saviez. Le croyant ne meurt pas. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui tue. C'est le péché qui tue. Le croyant ne meurt pas. Le croyant ne meurt pas. C'est ce que tente de l'expliquer le prophète Salomon. Le prophète Salomon, quand il est mort, les eaux ouvertes. Soit 34. Verset 14. Hein. Lisez ça. Soit 34, verset 14. Salomon n'est pas les eaux ouvertes comme ça. Il est pour expliquer quoi. Je ne sais pas de quel article j'ai expliqué ça. Lisez, tapez, le croyant ne meurt pas. Vous allez voir ça. Le croyant ne meurt pas. Salomon, c'était pour expliquer ça. Prenez le même temps. Salomon est mort, les yeux ouverts. Les yeux ouverts. C'est comme ça. Derrière, il est encore vivant. Il a encore les yeux ouverts. C'est-à-dire, les yeux, c'est Dieu. Tu es encore avec lui. Il n'est pas mort. Vous savez que Salomon fait quoi? Salomon se déplace. C'était son corps, Salomon qui est là. Il s'est déjà déplacé. Il a quitté son endroit. C'est un fantôme. Il est ailleurs. C'est comme ça. Il n'est pas mort. Détrouvez-vous. Le père ne meurt pas. C'est le péché. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui tue. C'est le péché qui tue. C'est comme ça. Ne commettez pas le péché. Il va vous dire de tout péché. Et le péché, c'est quoi? C'est P7.